Non, tout simplement, la meilleure équipe a gagné, hein. Il y a rien à dire. L'équipe de Zurich est supérieure, on le sait, qualitativement à l'équipe de Xamax pour l'instant. On est capable de rivaliser sur un match, en faisant certaines choses. Mais aujourd'hui, c'était pas le cas. L'équipe de Zurich était au-dessus. J'ai voulu amener d'autres idées sur ce match, justement pour sortir du match de lundi où il y avait eu des bonnes sensations, mais aussi de notre côté beaucoup de fatigue. Et puis malheureusement, là j'attendais plus au niveau de la fraîcheur et au niveau de l'investissement de la part de certains joueurs. Hein, donc on a été mené au score logiquement sur la première mi-temps parce que l'équipe de Zurich a joué alors que nous n'a pas joué. Donc le discours à la mi-temps était justement de dire de faire attention, hein, sur les 5-10 premières minutes, de bien rentrer dans ce match et puis de prendre des initiatives. Puis à partir du moment où on est mené rapidement, on n'a pas fini la phrase qu'on est déjà mené 2-0. Tout devient très très compliqué. Et puis on s'est mis à jouer à ce moment-là. On s'est mis à jouer. On a montré des choses plus intéressantes à ce moment-là, mais c'était trop tard. L'équipe de Zurich était plus forte que nous ce soir. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der zufriedener ist. Die Mannschaft ist in Verantwortung gestanden, eine Reaktion zu zeigen auf, ich denke, auf die deftige Niederlage, weil wir haben uns vorgenommen, im Finale zu kommen. Ja, sie hat heute, ich denke, das umgesetzt, was wir uns am letzten Montag vorgenommen haben. Sie war wirklich sehr geduldig gewesen. Hat nie verpasst, aufs 2-0 zu spielen. Hat für mich in den letzten 30 Metern größere Aggressivität, größere Konsequenz an den Tag gelegt, wie sie das noch am Ende gemacht hat. Und ja, die Mannschaft verdient ein riesen Kompliment. Das war wirklich nicht einfach gewesen, nach dem Hammer vom Montag so eine Reaktion zu zeigen. Und ich denke, alle, die am FCZ gut sind heute sehr zufrieden.